Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième partie de vidéo essai de maquillage, make-up, action. Donc, vous vous souvenez, j'avais présenté celle-ci. Et puis, bah, j'ai celle-ci à vous présenter. Et celle-ci. Bon, je l'avoue, j'ai testé celle-ci hier soir. Et si vous voulez que votre maquillage tient, eh ben cette palette, elle est parfaite en fait. J'ai galéré à la retirer. Bah certes, mais ça veut dire que c'est un maquillage qui tient. Donc j'ai testé le bleu foncé comme ça et le bleu. Bon, vous voyez pas trop bien avec la lumière. Ouais, c'est plus ça, voilà. Un bleu foncé comme ça. Et... Oh, vous le voyez bien. Un bleu clair comme ça, pailleté. Après, j'ai testé aussi le couleur terre comme ça là. Magnifique celui-là. Avec un petit ton beige comme ça. Donc c'est parfait. Par contre, moi je peux vous donner quelques petites astuces de maquillage parce que j'avais fait un an en CAP esthétique cosmétique, donc je connais un peu tout ce qui est maquillage, tout ça, produits de beauté, prendre soin de sa peau, etc. Alors, il y avait bien sûr un petit protège. Voilà, on va pour les essayer. Voilà le pinceau. Alors, bien sûr, le pinceau, je l'ai nettoyé. Ça se nettoie très bien à l'eau, pas besoin d'eau chaude, hein, juste à l'eau froide. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Donc, du plus foncé par ici au plus clair. Moi, je trouve ça super beau. Hein. Qu'est-ce que je vais tester avec vous? Papa, papa, papa. Ouais, j'ai bien envie de faire celui-ci. Avec celui-ci, donc ces deux-là, couleur queen et couleur jet set. Waouh, on va partir sur un yacht. Ah là là. Bon, Annie, vous étonnez pas si je regarde par là parce que j'ai pas de miroir devant moi. Ah, c'est des couleurs plutôt froides, cette palette. Comme on est en plein dans le froid, c'est parfait. Waouh. Allez. J'arrive pas bien à voir de ce côté. Allez, on va essayer l'autre couleur queen. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Waouh. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Waouh. Avec un mascara. Moi, j'aime pas trop mettre de mascara parce que quand ça coule, c'est pas joli, quoi. Après, j'ai des eyeliners que j'ai achetés chez Action. Je vais vous les montrer. Voilà, donc j'ai ces trois, quatre crayons comme ça de différentes couleurs. Vous avez le mauve, le vert, le bleu et le beige. Franchement, ils sont trop bien. Je vous les conseille. Ils sont géniaux.
En fait, vous avez un petit truc en mousse pour estomper. Et de l'autre côté, vous ouvrez, bah, vous avez le stylo, le petit bâtonnet là pour faire votre petit trait d'eyeliner. Franchement, trop bien. Ils sont pas très chers, je crois. Je me souviens plus du prix, mais c'était pas très cher. Voilà. Parfait. Je me suis pris ça aussi chez BM, cette marque-là, mat. C'est des rouges à lèvres liquides, bah, comme un gloss et mat. Donc ça tient pas mal de temps. Alors vous avez plusieurs teintes, hein, bien sûr. Il y a le marron que ma fille a là, il est super celui-là. Par contre, celui-là, il est un peu trop rose à mon goût. Alors, je vais voir si il est bien ou pas. Ah là 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 là, c'est trop rose. Ça fait un peu poupée Barbie quand même, hein. Ouais. Bah, je préfère les maquillages d'action. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je préfère largement les couleurs que j'ai mis sur mes yeux. Ça fait un peu trop Barbie. Du moins, c'est peut-être parce que ça ne me va pas. Ça va peut-être plus à des... Je sais pas. Même à des blacks, des gens de couleur foncée, ça peut aller cette couleur, je pense. Ouais. À voir. Bon, il va falloir que je nettoie le pinceau. Donc, pas du tout déçu de cette palette, du moins pour les deux couleurs que j'ai choisies. Je trouve ça trop beau. Ouais. Franchement. Je vous remontre encore les couleurs de près. Il y a de quoi faire. Bah sinon, moi j'ai. Si vous voulez savoir ce que j'ai comme maquillage, bah j'ai tout ça. Il y en a pas mal. Attendez, je vais vous rapprocher. Je vais vous rapprocher. Voilà. Donc, voilà. En rouge à lèvres, bah, j'ai ça. Celui-ci. Comme ça, celui-là, bah, c'est action aussi, hein. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai, c'est la marque Sephora. Ah non, je me gourre, la marque Moxy. Il est trop bien celui-là parce que il a l'eau minérale en fait et ça teinte comme ça. Voilà celui-ci de chez Action. Puis le dernier, j'en avais un aussi qui est bio, mais il est trop foncé. Par rapport à la couleur que vous voyez, il est foncé, je vous assure. Par contre, c'est les pinceaux que je n'ai pas assez là pour les couleurs pour les yeux. Et puis ça, il m'en faudrait d'autres. J'ai ce petit truc-là aussi pour appliquer le fond de teint. Mais je mets pas de fond de teint, donc voilà. Ça, c'est un petit stylo pour mettre les glosses. Il faut que je le nettoie celui-là aussi.
Hop. Ça, c'est un étui pour, vous savez, pour emmener votre parfum dans votre sac à main. D'ailleurs, il en reste. J'ai un crayon noir aussi, de la marque Sephora. Un mascara, j'en ai deux. Celui-là, ça sent le café. Il est trop bien. Après, j'ai le petit vernis. Là, et tout ça comme vernis. Avec ce produit-là, qui est super. Il est bio. C'est un dissolvant. Pas agressif du tout. Et ça, juste un coton suffit à enlever tout le vernis des doigts. Après, il y a ça aussi chez Action. Les deux anti-cernes là. Ça, c'était. Je crois, ça c'est Action. Oui, Max. Max and More. C'est Action. Et ça, c'est BM, celui-ci. Stokomanie, pardon. Stokomanie, celui-là. Et après, j'ai des poudres, des fards à paupières. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Bon, autrement, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo make-up. Deuxième partie. On se dit à une prochaine fois dans un retour de course ou recette. À voir. Bonne fin de journée et puis à bientôt. Bisous. Bye.